pleasure to introduce Olivier Le Grand Maison. He will talk about some subject which is like burning in France today. It's about the soup and in Western Europe in general, in Europe in general, that is the so-called great replacement, which is the alleged invasion of Europe, white Christian Europe, by migrants from, well, many of them, of course, Muslim countries, so that kind of mythology. Okay, we represent that, let's say, this new myth and all, let's say, the narratives related to it today in Europe and how it works in the realm of European politics today. So, Olivier is teaching political sciences at the University of Evry. It's outskirts of Paris, south, east. He wrote, so he's a specialist for French colonization. He wrote three books which have become reference books on French colonization, colonies. Maybe aspect we mention that, or we can include it in the discussion. But maybe one of the most important features of what he did is, let's say, connecting historical stakes. So what is special about French colonization with, let's say, philosophical hypothesis, apparatuses, in particular using Foucault for analyzing. So reflecting on French colonization in terms of biopolitics, of exactly, which is rather new because this is, historians don't do that in the French context. So this is one of the new things I think he wrote in the field of research on such issues. So, okay, I think this is it. So maybe we should welcome. So yes, he will speak French. Yes, you I'm have sorry. The text in Chinese and in English, and he will say, okay, so if you follow in English, he will tell where he is, and he says so that you can go the same pace as him. Just en introduction, puisque on l'évoquait hier, à propos de la colonisation française, les dirigeants français de droite comme de gauche ont une capacité remarquable à entretenir sans cesse le mythe, qualifié hier de romantique, d'une France toujours fidèle aux principes de la République, liberté, égalité, fraternité, et fidèle aux principes de la Révolution française. Il fait partie également de ce grand mythe, la thèse selon laquelle la France, en particulier, serait, comparativement à d'autres pays, une magnifique terre d'accueil. Yes. Somebody has to translate. Yes. Okay. He says briefly. I sum up. French political leaders are inclined to stick to a myth, which is the idea that since we are a republic, the French Republic,
always welcome people from coming from other countries, all sorts of people coming from other countries. So various waves of immigration from neighboring countries, Spain, Italy, but also from other horizons. So this is what I said. So in order to go into the subject. Donc là, je vais reprendre, suivre le texte traduit donc en anglais et en chinois. Alors, la thèse du grand remplacement a donc été élaborée par un écrivain d'extrême droite qui s'appelle Bruno Camus, dans un ouvrage qui a été publié en 2011. Et rappelé qu'à l'époque, cet ouvrage et ses thèses sont relativement marginales. Rappelez également que Renaud Camus a été condamné pour incitation à la haine raciale en raison de ses propos sur les musulmans, entre autres accusé d'être à l'origine du so-called grand remplacement. Et c'est très important dans le débat politique français de faire peser une menace perçue comme existentielle pour la France, existentielle également pour évidemment son identité entre guillemets. Le programme de Renaud Camus est sur le fond extrêmement simple, tout en étant parfaitement radical. Il s'agit pour lui de défendre la thèse d'une lutte très dur contre l'immigration jugée massive, et à ce titre il a forgé un nouveau terme qui est un néologisme, par définition celui de remigration, qui en des termes moins euphémisés a pour objectif de multiplier les expulsions massives d'étrangers non ressortissants, évidemment, des États membres de l'Union européenne. Il faudrait-il sans doute ajouter, quel que soit leur statut sur le territoire français. Très marginal au début, les thèses de Renaud Camus sont désormais reprises au-delà du champ politique de l'extrême droite et de la droite par de nombreux médias conservateurs. Et pour en donner un exemple, l'un des plus grands journaux français, which is called Le Figaro. Et aussi par un intellectuel qui se prétend philosophe, qui l'a été assurément, mais qui ne l'est plus depuis longtemps, et qui s'appelle Alain Finkielkraut et qui est désormais converti, si je puis dire, à ses thèses. À l'occasion du terrible attentat qui a été commis en Nouvelle-Zélande, attentat assurément islamophobe, puisque celles et ceux qui ont été visés parce qu'ils étaient musulmans, on a découvert que les thèses de Renaud Camus exerçaient désormais une influence non pas seulement nationale mais internationale, puisque c'est en partie en référence à ses thèses et après un séjour en France que l'auteur de ce massacre a commis le dit massacre. Plus inquiétant d'une certaine façon, d'une façon certaine, les thèses de Renaud Camus sont désormais en partie défendues par un certain nombre de chefs d'État et de chefs de gouvernement au sein de l'Union européenne, en particulier dans des pays qui ont connu des poussées d'extrême droite, ou nationale radicale significatives, comme la Hongrie, l'Autriche, la Pologne, l'Italie, et qui défendent ces chefs de gouvernement, de façon plus ou moins explicite ou implicite, l'opinion selon laquelle
l'Europe serait en passe d'être submergée par une immigration réputée être hors contrôle. Je voudrais en venir maintenant donc au point 1, le grand remplacement, un mythe vivace et ancien, en particulier en France, et qui permet de montrer qu'au fond, cette thèse inconnue sous des présentations différentes est donc ancienne et s'inscrit dans une xénophobie dont on pourrait dire qu'elle est en partie structurelle. La France, contrairement là aussi à un grand mythe national, et effectivement, et depuis la fin du XIXe siècle, un grand pays d'immigration, d'immigration européenne d'une part et d'immigration non européenne d'autre part. Pour des facteurs inscrits dans une longue conjoncture qui sont la faiblesse de la démographie française, qui a été une source donc d'angoisse politique et géopolitique, et faiblesse, qui a alimenté toute une série de considérations relatives à la possible décadence française liée à cette faiblesse démographique. À cela s'ajoutent des facteurs conjoncturels qui sont liés à la Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, au bilan humain catastrophique de cette Première Guerre mondiale pour la France, qui a fait, comme vous pouvez le voir, environ 1 600 000 morts durant la guerre d'une part et à la suite d'une maladie qui a affecté non pas seulement la France mais l'Europe tout entière et une partie significative du monde. C'est dans ce contexte-là que l'émigration en provenance des colonies va être développée pour compenser en partie cet effondrement démographique. Et c'est également aussi dans ce contexte-là que va se développer toute une série de représentations et de thèses tendant à faire des émigrés nord-africains une menace particulièrement grave pour l'ordre public français, pour la sécurité des biens et des personnes, et une menace sanitaire liée, croit-on, dit-on, en s'appuyant sur la médecine et l'hygiène coloniale, une menace sanitaire liée à deux maladies endémiques, pensées comme particulièrement dangereuses, à savoir la tuberculose et la syphilis. Qui, relativement à cette dernière maladie, vient, si je puis dire, se loger dans un grand mythe qui a été étudié par d'autres, qui est celui donc d'une possible syphilisation de l'ensemble de la société française et qui contribuerait ainsi à son affaiblissement dramatique sur le plan physique et moral. Rappelez que nous sommes ici en présence d'un racisme élitaire qui est soutenu effectivement par des considérations biopolitiques qui va légitimer des politiques publiques racistes et xénophobes au nom, pour reprendre les catégories empruntées, une catégorie empruntée à Foucault, au nom justement de la défense de la société. Défense de la société contre notamment l'émigré d'Afrique du Nord, qui incarne cette dangerosité multiple. Dangerosité, encore une fois, pour la sécurité des biens et des personnes, dangerosité pour la sécurité sanitaire. L'ensemble de ces représentations débouchant à partir de 1924 sur des restrictions très significatives imposées aux émigrés nord-africains et relativement à l'Algérie,
imposé à des hommes qui pourtant vivent dans des départements français, mais qui ne disposent pas de la liberté de circulation entre ces départements français et la métropole. Xénophobie et racisme élitaire toujours. Et là, je fais référence, c'est dans la page 2, aux thèses développées par Georges Moko. Page 2. Yes, page 2. En précisant, c'est important que ces thèses sont des thèses dans tous les sens du terme, si j'ose dire, puisque Georges Moko a effectivement soutenu sa thèse sur la migration. Et qu'à la suite de cette thèse soutenue sur l'immigration, il est devenu le grand spécialiste de l'immigration européenne et coloniale. À l'époque, on disait immigration exotique, qu'il a été considéré comme un expert en la matière, puisqu'il s'est vu confier effectivement des responsabilités éminentes dans le domaine de la démographie, en devenant donc secrétaire général du Comité français de la population. Et à exercer des fonctions significatives au sein de l'État français. Moko, développant effectivement, faisant une distinction entre l'immigration d'origine européenne, qui ne pose pas de problème d'un point de vue ethnico-racial, et l'immigration dite exotique, qui, pour des raisons à la fois ethnico-raciales et religieuse, déjà l'islam, est réputé inassimilable et à ce titre particulièrement dangereuse. À la libération, donc en 1945, toujours page 2, pour des raisons qui sont voisines, ce qui ne veut pas dire identiques, et qui sont liées, là aussi et là encore, d'une part aux destructions engendrées par la Seconde Guerre mondiale, aux nécessités de la reconstruction du pays, et d'autre part à cette période faste du développement du capitalisme appelé les Trente Glorieuses, se développe après la Seconde Guerre mondiale, donc, une importante émigration en provenance d'Afrique du Nord dans un contexte qui a, sur le plan politique et juridique, radicalement changé, puisque les colonisés de l'Empire français jouissent, au moins formellement, des mêmes droits et libertés démocratiques que les citoyens français et jouissent, entre autres, et considérés comme une liberté fondamentale, de la liberté de circulation entre notamment les départements français et la métropole. Faire venir en France un nombre significatif d'émigrés est une chose, parler véritablement d'accueil en est une autre, dans la mesure où accueillir, au sens précis du terme, suppose, sauf à faire un mésusage du dit terme, suppose de faire droit à la présence d'autrui en le considérant comme un semblable et à ce titre en lui accordant des égards et par conséquent aussi des droits. En ce qui concerne l'immigration nord-africaine, qui augmente donc de façon très importante après 1946 et 1954, les chiffres sont indiqués. Ces émigrants nord-africains et algériens notamment, qui sont citoyens français sur le plan juridique, sont néanmoins victimes donc de ce qu'il faut bien appeler des discriminations systémiques. Et ce n'est pas un constat ou une illusion rétrospective, puisqu'une étude très importante, qui est pour moi une référence majeure permettant de constater le phénomène, et cet ouvrage d'une sociologue française, du CNRS, un ouvrage très, très sérieux, d'André Michel, intitulé « Les travailleurs algériens en France »,
qui permettent effectivement de prendre la plus juste mesure de ces discriminations systémiques constatées par celui qui rédige l'introduction à cet ouvrage, qui est Pierre Larocque. Donc il faut rappeler qu'il est conseiller d'État, ce qui en France est une fonction très prestigieuse, et qu'il est par ailleurs l'un des fondateurs, après 1945, et l'un des directeurs de la sécurité sociale. Et qui constate, comme la citation le montre, que la discrimination entre travailleurs européens et travailleurs algériens est partout, écrit-il, dans les conditions d'emploi, dans l'embauche, dans les conditions d'existence et dans l'habitat. Et rappeler que cette situation affecte et continue d'affecter dans des proportions très importantes ce que nous sommes un certain nombre à appeler désormais les héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale, qui, alors même qu'une écrasante majorité d'entre eux sont français, continuent d'être victimes, effectivement, de discriminations multiples à l'école, à l'université, dans l'emploi, dans l'accès à l'emploi, au niveau salarial, toute discrimination qui affecte significativement et leur vie quotidienne et leur avenir professionnel. Sur quelques réalités contemporaines, et là je traiterai maintenant non pas des immigrés, mais des réfugiés. Et la distinction me semble, quand bien même elle peut être parfois et éventuellement à juste titre critiquée, nécessaire et nécessaire de la défendre pour prendre en compte la situation particulière justement des dits réfugiés, c'est-à-dire des personnes qui ont franchi une ou plusieurs frontières internationales pour des raisons de persécution politique, ethnique, religieuse, de genre, d'orientation sexuelle, les homosexuels, hommes ou femmes, et relativement à ces femmes, pour fuir aussi des mutilations génitales féminines, l'excision, qui dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est concerne parfois jusqu'à près de 95% des femmes. Tout réfugié qui peut obtenir donc une protection internationale pour l'ensemble de ses motifs. Et rappeler, contre la doxa dominante, et en particulier contre les thèses diverses relatives au grand remplacement, que les pays d'Europe et les pays du Nord, plus généralement, ne sont pas d'abord et prioritairement affectés par ces mouvements de population liés à des motifs de persécution ethnique, politique, religieuse et ou liés à l'orientation sexuelle. Yes. Et rappelez que ce sont des chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, donc ils sont tout à fait fiables, puisqu'en 2016, on comptait 65,6 millions de réfugiés dans le monde, ce qui est sans précédent et lié à une conjoncture très particulière, la guerre en Syrie, civile et extérieure, un conflit qui dure depuis maintenant 1979, à savoir le conflit en Afghanistan, et la situation particulière de la Colombie, auquel s'est ajoutée
la situation, là aussi très particulière, du Venezuela. Contrairement donc à ce qui est dit par des responsables politiques de droite comme de gauche, entretenu sans cesse par les médias, 85% en effet des réfugiés se trouvent dans des pays du Sud et se trouvent dans des États limitrophes. Depuis, en effet, le déclenchement de la première guerre en Afghanistan par les forces soviétiques en 1979, aucun pays du Nord ne figure parmi les trois premières destinations de ces réfugiés. Et pendant longtemps, et depuis cette date, les pays les plus concernés par les mouvements migratoires des Afghans étaient des pays limitrophes, l'Iran d'une part, le Pakistan d'autre part, qui ont été pendant très longtemps parmi les deux premiers pays au monde à recevoir des réfugiés de cette origine. À l'heure actuelle, c'est très important de le rappeler, les trois premiers pays au monde à recevoir des réfugiés, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont effectivement franchi une frontière internationale, sont la Turquie, près de 3 millions de réfugiés sur son sol, la Jordanie, plus d'un million, et ce tout petit pays, le Liban, où le nombre de réfugiés représente 25% de la population totale, ce qui est absolument considérable dans un État qui, par ailleurs, est un État fragile, disons-le en ces termes, sur le plan politique et sur le plan des équilibres confessionnels, c'est-à-dire religieux. De plus, et autre exemple de migration, enfin de fuite pour des raisons de persécution à la fois ethnique et religieuse, les Rohingyas fuyant les exactions commises par l'armée birmane, soit plus d'un million de personnes, n'ont pas fui en Europe, mais pour des raisons diverses et variées, ont fui principalement au Bangladesh, voisin où ils vivent d'ailleurs dans des conditions terribles. De même, le Venezuela précité, 3 millions de personnes ont fui ce pays, et l'écrasante majorité d'entre eux ne se trouve ni aux États-Unis, au nord donc, ni évidemment en Europe, mais en particulier dans un État limitrophe, la Colombie. Quelques éléments d'explication sur le fait que les mouvements migratoires de ces réfugiés sont d'abord et avant tout des mouvements sud-sud et non pas des mouvements du sud vers le nord. Toujours en page 3. Quitter son pays d'origine, contrairement à ce qu'affirment beaucoup de démagogues, de responsables politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, et qui soit ignorent, soit feignent d'ignorer ce que l'exil représente, quitter son pays d'origine suppose toute une série de ressources qui doivent être parfois mobilisées conjointement. D'une part, des ressources financières, puisque venir en Europe pour un ressortissant afghan ou du Bangladesh peut coûter près de 10 000 euros, ce qui est évidemment une somme considérable qui ne peut être assumée évidemment par les plus pauvres. En précisant que le coût d'un voyage vers l'Europe est évidemment indexé sur le nombre de personnes qui migrent, et que le coût du voyage est évidemment différent selon lequel il s'agit de célibataires, d'hommes avec une femme et éventuellement des enfants. Et dans la plupart des cas, dans de nombreux cas, ceux qui décident de partir pour des raisons diverses et variées vendent tout ou partie de leurs biens,
et parfois s'endettent de façon extrêmement importante pour venir en Europe dans ce qui ne peut pas être qualifié de voyage, mais qui doit être qualifié de périple extrêmement dangereux, en particulier pour les femmes, plus spécifiquement, puisque les choses sont désormais bien établies, notamment en Libye, où on assiste